Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette édition de l'Evian Golf Live avec Sandrine Mandiburu. On est très heureux de vous accueillir. On dit la vérité, Sandrine, vous êtes très très nombreux à nous suivre et ça, ça nous fait chaud au cœur. Oui, ça nous fait très plaisir parce qu'on devait ne plus être ensemble, ne plus travailler ensemble. Et oui. Christian a cru qu'il allait se débarrasser de moi, en fait, oui. Pas du tout. Et en fait, on vous retrouve nombreux et ça nous fait vraiment plaisir. Voilà, merci de partager ces moments ensemble, évidemment. Ces moments qui, on l'espère, vont vous plaire. Des coulisses, ce soir, par exemple, on va vous emmener dans les coulisses de l'Hôtel Royal. Le chef étoilé va nous recevoir, par exemple. Demain, on donnera la parole au commissaire de parcours. Bref, ne dévoilons pas tout ce qui va arriver. Mais si demain, ce dimanche, vous souhaitez nous retrouver pour suivre du jeu ici, du beau jeu, évidemment, la conclusion de ce majeur, il va falloir d'abord, évidemment, respecter les consignes sanitaires. Regardez, Eric Boisé a fait le chemin que vous ferez peut-être demain. Bonjour Amélie. Bonjour Hugo. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, s'il te plaît, le parcours d'un visiteur qui vient sur le tournoi? Oui. Est-ce qu'il y a des contrôles de passe, de tests PCR? Tout à fait. Donc nous avons mis en place un contrôle de passe sanitaire en bas du golf. Donc tout visiteur devra présenter un schéma vaccinal complet, donc c'est-à-dire deuxième dose plus 7 jours. Donc ça, c'est une évolution qui vient d'être annoncée aujourd'hui. Ou bien la personne pourra présenter un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures ou un certificat de guérison. À ce moment-là, elle sera contrôlée via l'application Tous Anti-Covid Vérif pour que ça soit scanné. Juste une évolution également qui est importante, c'est que les mineurs, donc moins de 18 ans, n'ont plus à présenter de passe sanitaire. Donc moins de 18 ans, ils rentrent sans aucune présentation. Sans test, exactement. Sans passe sanitaire, ok. Exactement. Et donc ensuite, ces personnes arriveront, seront checkées en termes de passe sanitaire et puis pourront monter pour acheter leur billet ou si elles ont leur billet, rentrer directement sur le golf. Voilà, toutes les consignes sont respectées. Si vous venez nous voir demain sur le site, vous passerez comme Eric Boisé et notre stagiaire Hugo qui a évidemment amené la caméra de l'entrée du parcours jusqu'aux tribunes ou jusqu'au parcours lui-même. On va accueillir maintenant Laurent Sacchi qui est avec nous. Laurent, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Evian Resort, de l'ensemble. Donc une lourde responsabilité. Très lourde responsabilité. Mais il n'y a plus désagréable comme vous avez pu le remarquer. Oui, comme, évidemment. Lieu de travail. Et en plus, la météo était avec vous, avec vos équipes. Donc cette semaine, tout va bien. Cette semaine, elle était avec nous. Elle n'a pas été avec nous les semaines précédentes le tournoi, ce qui n'a pas facilité le travail des jardiniers, des greenkeepers, qui ont fait un travail absolument fantastique pour que le parcours soit dans cet état. Alors ce tournoi a plus de 25 ans. Il a été petit, puis moyen, plus grand, plus gros. Pourquoi cette volonté d'avoir un événement? Quel est l'intérêt pour le resort, ce resort à Evian? Alors j'espère qu'il n'est pas gros. Il est énorme. Il est énorme. La majeure, c'est énorme. Non, l'intérêt pour le resort, c'est l'intérêt pour la région. C'est-à-dire c'est le rayonnement que ça donne au nom d'Evian qui alors, circule à travers le monde grâce aux petites bouteilles d'Evian, bien évidemment, mais aussi à Amundi, maintenant Evian Championship. C'est un événement qui est regardé dans le monde entier. Notre parcours de golf, nos parcours de golf, puisque nous avons deux parcours de golf avec le leg course maintenant, sont des parcours qui sont montrés dans le monde entier, qui passent à la télévision dans le monde entier et qui bien évidemment donnent envie aux golfeurs, aux passionnés de golf, de venir séjourner à Evian et séjourner dans les hôtels de l'Evian Resort pour jouer les parcours. Alors, évidemment, on est au cœur d'un majeur. On parle golf cette semaine, mais il faut savoir qu'ici, à Evian et dans ce resort, on ne parle pas golf tout le temps. On y joue, c'est vrai, mais il y a aussi des festivals, il y a de la musique, il y aura même un peu de philosophie, je crois, à la rentrée. Le programme est chargé, finalement. Le programme est chargé. Comme vous l'avez vu, nous sommes dans une magnifique région, mais qui est un peu excentrée
puisque nous sommes dans un coin de la France, tout près de la Suisse, avec les montagnes d'un côté, le lac de l'autre, un petit peu coincé. Donc même si nous avons un lieu magnifique, il faut attirer du monde, et on attire du monde avec des événements. Donc vous l'avez dit, le tournoi de golf, mais aussi d'autres tournois de golf, le Jabra Ladies Open, nous organisons des programmes de manière régulière, et puis des festivals de musique, 4 festivals de musique, et cette année nous lançons un festival entre guillemets de philosophie avec Luc Ferry et Eric Orsena, qui viendront nous voir pour la première fois et passer quelques jours avec nous pour parler des grands mythes et de la mythologie. Alors Laurent, moi je connais bien évidemment très bien l'endroit. C'est un resort. Derrière le mot resort à Évian, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on peut trouver? Comment on peut s'occuper? Comment on peut passer du bon temps? Alors on trouve tout. Voire même si on n'est pas golfeur d'ailleurs. Voire même, tout. Exactement. Oui, et d'ailleurs nous avons une majorité de non-golfeurs. Hein. Nous avons une grosse part de notre clientèle qui est golfeuse, mais nous avons aussi beaucoup de non-golfeurs. Alors on peut quasiment tout faire, hein, Évian. À l'intérieur du resort, on peut pratiquer le tennis, le padel, l'équitation, le golf bien évidemment. On peut, si on préfère la nuit, aller jouer au casino, qui appartient aussi au resort. Et tout autour du resort, eh bien, les possibilités ne manquent pas. Je vois le lac là, et quelqu'un qui fait du ski nautique, on peut aller faire du ski nautique, on peut aller faire de la voile. Et puis juste derrière, il y a les montagnes. À 10 minutes, il y a une station de ski qui bien évidemment n'est pas ouverte en cette saison, mais qui est ouverte l'hiver. Avoria est à moins de 40 minutes. Donc nous avons beaucoup de nos clients qui viennent ici pour profiter d'un endroit absolument magnifique, tout en pouvant, à quelques minutes d'ici, aller profiter de la montagne, skier l'hiver, mais aussi monter la Dandoche ou d'autres sommets l'été. C'est un lieu absolument fantastique, comme tous les lieux de montagne en été. Hein, c'est absolument riche de possibilités. Et justement, par rapport à tout ça, c'est pas contraignant d'avoir un tournoi de cette taille en pleine saison? Oui, alors le premier réflexe de tout exploitant de lieux touristiques, c'est de dire, moi je préfère qu'on organise des événements dans la période creuse, évidemment, parce que ça remplit l'hôtel au moment d'une période creuse, alors que là on n'a pas forcément besoin d'un événement pour remplir nos hôtels. Mais c'est un mauvais raisonnement. Ce qui est important, c'est que le tournoi rayonne, et donc que le parcours à la télévision notamment soit dans les meilleures conditions possibles. Et c'est plutôt à cette saison qu'il est dans les meilleures conditions possibles. C'est à cette saison qu'on donne envie aux gens de venir. C'est à cette saison que les jours sont plus longs. Voilà, donc il fait encore... Alors, il fait plus très beau là, mais il fait encore jour jusqu'à 22h. Ça contribue au rayonnement de la France, Et ça contribue au rayonnement de la France. Ça donne envie. Et c'est pour nous le plus important. Alors oui, c'est pas forcément extrêmement pratique au mois de juillet, mais le jeu en vaut largement la chandelle. Mais ça fait venir du client asiatique, du client américain. Exactement. Du client des quatre coins du monde. On a croisé deux Américains aujourd'hui qui nous ont dit, nous, on est venus spécialement, on va rester pour jouer le parcours, on veut jouer un parcours de majeur, et ici. C'est bien, en plus ils sont courageux, parce que pour venir des États-Unis, oui, en ce moment... Ils sont venus pour supporter des joueuses. C'est un peu compliqué. Bien, merci Laurent Sacchi d'être passé. Merci. On vous souhaite une bonne fin de semaine et un bel été, parce qu'on voit bien que c'est pas fini. Merci, non, et puis il nous reste un tour. Hein. Donc, exactement. Donc on va s'employer à faire en sorte qu'il se passe de la meilleure manière possible. Merci. Restez avec nous, vous nous avez donné l'autorisation. Nous sommes allés, alors c'est particulier parce que ça n'arrive pratiquement jamais, on vous l'avait promis, dans les cuisines de l'Hôtel Royal. Oui, chanceux, on est bien content du privilège, et une caméra est entrée. Pascal est allé filmer, interviewer le chef étoilé, Patrice Vander. Regardez. Bonjour à tous et à toutes. On est beaucoup, ce soir on va être 30 dans la cuisine. Hop. Voilà, on range tout le petit déjeuner. Toi, la miss, tu vas commencer à faire le marché. Il va nous falloir de l'estragon. Oui. De la ciboulette. Oui. Un peu de fenouil ou de la nette. Les citrons, on va tout monter, on va attendre Alex. Voilà. Les endives rouges. Les radis blue meat. La crème de pays. Et puis, on a des girolles qui sont lavées. On va tout peser. Vous êtes dans la partie du garde-manger. À savoir, ce midi, on a encore les restaurants qui sont ouverts avec l'oliveraie et la véranda.
Et ce soir, on va envoyer le dîner de gala. Donc là, la cuisine se transforme en mode banquet. Qu'est-ce que ça change par rapport à d'habitude? D'habitude, vous êtes sur un fonctionnement de restaurant. Chaque responsable, là, le chef de partie, il fait son activité. Ce soir, c'est on travaille tous ensemble avec le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, j'ai eu l'impression que c'était vous ce matin, quand même, quand je vous ai vu au briefing. Voilà, absolument. RH, Toujours un point RH, un point sanitaire et un point, comment dire, un peu social, suivi des collaborateurs. On sort de la période Covid, il faut faire attention. Par rapport à ce soir, au niveau du staff, je suppose que vous avez été obligé de prendre des extras supplémentaires. On a un renfort de 4 extras et on a nos renforts d'école hôtelière. On avait aussi un partenariat avec l'école de Ferrières en région parisienne. Et concernant l'approvisionnement, qu'est-ce qui change par rapport à l'habitude? Vous êtes obligé de faire plus de préparation en amont? Ah bah oui, après vous avez des techniques de cuisson sous vide, tout ça, après on anticipe. Moi je reste un artisan de cuisine, donc chaque jour on travaille. Comme ça, c'est toujours en flux tendu, on fait toujours du frais. Comment on fait pour ménager ses envies de chef cuisinier et l'attente d'un public qui n'est pas forcément ouvert à des découvertes? Ce soir, si vous voulez, c'est l'Amundi Evian Championship, c'est un tournoi de golf par rapport à nos convives. Au choix, on fait des testings, c'est tout. C'est quasiment une année de préparation en amont. C'est l'esprit du royal, l'esprit palace, c'est des petites bouchées, c'est vraiment des plats maîtrisés, mesurés. Vous entendez pour un menu dire attention, pas trop d'épices, ça veut dire qu'on fait attention à tous ces petits détails? Ah, c'est absolument. De toute façon, la cuisine, c'est toujours dans le sens du détail. Vous avez toujours la rigueur du quotidien. Vous voyez, il y a même le stewarding, ils savent faire. Là, ils finissent le petit déjeuner, ils font attention. Voilà le chef du Royal Les Cuisines, hein, Patrice Vander, qui nous a ouvert les portes avec sa brigade, bien entendu. Patrice Vander, d'ailleurs, qui a été étoilé pour ses 50 ans. C'est le hasard de la vie, mais c'était un joli cadeau, Sandrine. Mais il y a un endroit où vous n'êtes pas allé, parce que sinon vous en auriez parlé. Dites-moi. Ah, c'est le potager. Ah oui, c'est vrai. 3000 mètres carrés de fraises, de framboises, d'herbes aromatiques et plein de choses absolument merveilleuses. Et Patrice a reçu la visite cette semaine des chefs d'État. Et ça, pour lui, c'était... Ah oui, les chefs cuisiniers des chefs d'État. D'accord. Donc, de Poutine, de Monsieur Macron, enfin... Ah oui, challenge quand même. Voilà, de Boris Johnson. Donc ça, c'était beaucoup, beaucoup de pression pour lui. Et moi, je les ai vus qu'avec le sourire. Donc, j'imagine que c'était bien. Après un chef, on a un président, mesdames, messieurs, Pascal Grisot. Voilà, Pascal, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il cuisine bien? Je ne sais pas si Pascal cuisine bien. Je suis nul. Pascal, on va commencer par une question très ouverte. Vous êtes là depuis quelques jours. Je sais que, évidemment, nous savons que vous avez le golf dans le sang. Une impression, une première impression tout de suite sur votre ressenti de ces quelques jours-là? Non, mais on n'est pas déçus. Hein. Quand on vient à Evian, le seul tournoi majeur d'Europe continentale, que ce soit aussi bien chez les hommes que chez les femmes, on n'est pas déçus. On n'est pas déçus par la qualité des joueuses, on n'est pas déçus par la qualité du parcours, par la préparation du parcours. Donc c'est un sans faute, j'ai eu l'occasion de le dire et sincèrement je le pense. Alors c'est la première fois depuis que ce tournoi est majeur qu'on a autant de Françaises, que 4 sur 5 ont passé le cut. Est-ce que ça laisse s'ouvrir une nouvelle génération des espoirs, des nouvelles championnes? Moi en tout cas mon objectif il est clair, hein, c'est d'avoir des Français et des Françaises dans les 20 meilleurs joueurs et joueuses du monde professionnel. Mmh. Mais pour ça il faut passer par la case amateur. Et la meilleure façon de préparer les professionnels, c'est qu'ils soient déjà très bien préparés quand ils sont amateurs. Ils ont en tout cas plus de chance et on voit bien que statistiquement, tous les pros aujourd'hui qui font partie des meilleurs joueurs et joueuses du monde ont eu une très bonne carrière amateur. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On a la chance d'avoir trois femmes amateurs qui font partie des 15 meilleures joueuses du monde. Alors, Lucie est passée pro, c'était pas tout à fait prévu comme ça. Elle devait rester pour jouer les championnats du monde l'année prochaine. La fédération lui a donné une invitation pour aller jouer dans le cadre de sa préparation l'Open d'Italie. Elle l'a gagné et comme elle avait 2 ans d'exemption, il a paru logique et naturel pour elle qu'elle passe professionnelle et que la fédération continue à l'accompagner dans ce passage professionnel. Mais on avait 3 joueuses de talent qui faisaient partie des 15 meilleures joueuses du monde, un peu comme la génération des garçons entre 2005 et 2008. Romain Vatel et Alex Lévy. Exactement, où on avait
4-5 joueurs qui faisaient partie des 15-20 meilleurs joueurs du monde. Et c'est clairement mon objectif. Ça va un peu mieux pour le golf féminin, je dis un peu mieux. On a connu, notamment pour le Ladies European Tour, une période assez difficile. Ça va mieux. De nouveau, les filles jouent. Quand il n'y a pas de tournoi, la Fédération française de golf est impliquée, organise des tournois. C'est quelque chose sur laquelle vous avez vraiment réfléchi avec votre équipe, ça ? Non, mais on a réfléchi très rapidement parce que comme il n'y avait pas de tournoi, il fallait, un, que les joueurs pros puissent jouer, mais également les meilleurs amateurs. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on était en concurrence avec des nations qui jouaient chez les amateurs beaucoup plus de tournois professionnels, pas forcément des tournois professionnels d'un très très haut niveau, mais qui leur faisaient gagner des points en ranking mondial. Du jeu, quoi. Jouer. Exactement, exactement. Et c'est pour ça qu'on a créé ces tournois pendant la période de confinement, grâce à des partenaires, mais aussi grâce aux fonds propres de la fédération. Et on a créé ces tournois surtout pour les meilleurs joueurs amateurs, mais aussi pour les joueurs professionnels qui pouvaient le jouer, puisque les joueurs professionnels avaient quand même tous les circuits qui étaient ouverts. Il y avait les TAS qui se jouaient, il y avait aussi des tournois du LET. Chez les garçons, il y avait des tournois du Challenge Tour, des Alps Tour, des European Tour. Donc c'était essentiellement pour les meilleurs amateurs, mais également pour les professionnels qui n'avaient pas forcément accès à ces circuits. On parle de démocratisation du golf depuis longtemps. Est-ce qu'un tournoi comme celui-là qui apparaît, on va dire, dans des médias qui ne sont pas forcément spécialisés, aide justement le golf français à se démocratiser ? Mais dès qu'on parle de golf, c'est une très bonne chose. Alors je ne sais pas si l'image du golf d'Évian est l'image idéale pour la démocratisation, mais en tout état de cause, le fait de parler de golf, c'est très important pour la visibilité que peut avoir le golf. Et on ne va pas parler du golf parce que je vais décider d'aller sur les plateaux. On va parler du golf parce qu'il y a des sujets pour parler de golf. Et bien évidemment, quand en plus d'un très grand tournoi, c'est un tournoi majeur et c'est le seul tournoi majeur d'Europe continentale, c'est une raison pour qu'un une clientèle, j'allais dire, mais en tout cas un public plus large, s'intéresse au golf. On a eu ça avec la Ryder Cup. La Ryder Cup est la seule compétition où on a beaucoup de gens qui n'ont jamais joué au golf de leur vie et qui regardent cet événement. Mais quand on a la chance en France d'avoir une compétition comme Evian, et le site aussi, je veux dire, c'est pour ceux qui, c'est quand même beaucoup plus agréable d'être dans un site comme celui-là. Et j'adore le golf national, mais on ne peut pas comparer les deux. Non, c'est très différent. Évidemment, c'est une chance unique. Et pour ceux qui tombent sur les images qu'on voit aujourd'hui, je pense que ça ne peut que leur donner envie de jouer au golf et de venir en tout cas à Evian. Pour les plus jeunes, puisque Sandrine et moi, on a des enfants, golfeurs, voilà. C'est vrai qu'on s'interroge souvent. Moi, il m'arrive souvent d'être en région et on nous dit « Ah oui, pour les enfants, il faudrait faire plus de compétitions. » Alors, je ne parle pas forcément de la compétition de club, mais que les enfants des écoles de golf, je sais qu'il y a des choses qui se mettent en place. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage là-dessus? Parce qu'il y a une vraie demande et une interrogation. Et ce constat-là, moi, je l'ai fait parce que j'ai aussi un fils et qui a d'abord fait des sports collectifs avant de faire du golf. Et j'ai bien vu de quelle façon il était pris en charge dans les sports collectifs. Ça n'avait rien à voir avec le golf. Et aujourd'hui, il y a ce chiffre que je répète à chaque fois, c'est 78% des enfants qui arrêtent le golf après 2 ans de pratique. Et ça, c'est dramatique. Donc, avant d'aller chercher des enfants, il faut déjà faire en sorte que ceux qui viennent au golf, on ne les fasse pas fuir. Et la meilleure façon de ne pas les faire fuir, c'est de leur faire jouer au golf et de leur faire jouer au golf sur les parcours. Et aujourd'hui, je pense qu'on s'occupe très bien des très bons parce qu'il y a des circuits, il y a des circuits de Grand Prix qui existent, il y a des circuits privés qui existent, mais le golf pour les enfants un peu moins bons, qui sont entre 26 et 54, mais d'abord un qui aime le golf. Et puis, il faut savoir que le golf n'est peut-être pas une priorité au départ, parce que ça peut être quelque chose qu'on fait parce que les parents vous emmènent au golf, parce que vous n'avez pas l'autonomie pour dire non. Mais en tout cas, si on n'arrive pas à faire de ces enfants des passionnés de golf, le jour où ils vont être autonomes, donc vers l'âge de 14-15 ans, où les parents ont le choix de les laisser seuls parce qu'ils en ont marre de les entendre dire qu'ils ne veulent pas aller au golf, ben c'est sûr qu'ils ne viendront pas jouer au golf. Et la réforme de l'école de golf qu'on a mis en place avec la Direction Technique Nationale, c'est le golf pour les enfants qui ont un index entre 26 et 54. Et on joue au golf comme on fait des sports collectifs. C'est-à-dire que vous arrivez, on vous évalue et on vous dit tu joues dans l'équipe 1, 2 ou 3 et tu joues contre le club qui est à côté du tien. Tu peux même faire des matchs à l'intérieur de ton propre club. Et ça, ça marque des points pour le club. Et il y a un challenge des écoles de golf qui est essentiellement pour les enfants entre 26 et 54. Et l'objectif, c'est qu'évidemment, ils n'abandonnent pas. Et vous pouvez avoir des enfants qui ont une poussée tardive, parce qu'il y a des enfants de 14 ans qui sont formés comme des enfants de 12 ans. Et ces enfants-là, on ne peut pas leur demander de jouer aussi bien que des enfants de 14 ans qui, eux, parfois, sont formés comme des enfants de 16 ans.
mais ça ne veut pas dire que l'enfant de 12 ans, 14 ans n'est pas capable de développer un petit jeu qu'il va garder dans le futur. Et dès qu'il va grandir, eh bien, ce garçon-là ou cette fille, elle est parfaitement capable de faire partie des meilleures joueuses et des meilleurs joueurs français. Donc c'est notre objectif déjà de ne pas les perdre avant d'aller en chercher de nouveau. Voilà, le vivier. Donc on a parlé de sportifs, on ne peut pas oublier l'écologie. On est dans un endroit incroyable, incroyablement respectueux de la nature. Évian, c'est le royaume de l'eau. C'est un parcours qui fait énormément d'efforts justement pour respecter ça. J'imagine que vous travaillez ensemble avec ce golf pour avancer, on va dire, améliorer les traitements sur les parcours. Le gros avantage avec Evian, c'est qu'ils font souvent les choses tout seuls. Et après, quand ils ont besoin d'aide, ils peuvent, s'ils considèrent que la fédération peut être suffisamment compétente, eh bien, on peut leur apporter des aides. Mais c'est vrai que, par exemple, sur la labellisation, dans le cadre du développement de la biodiversité, la fédération, en partenariat avec le Muséum d'histoire naturelle, qui est la référence française en termes de biodiversité, a mis en place une labellisation qui favorise le développement, d'abord l'inventaire, mais ensuite le développement, la protection de la biodiversité. Et tous les golfs qui rentrent dans ce programme-là ont généralement de très bons résultats et contribuent à donner du golf une image totalement différente. Moi, je me bagarre souvent avec des écologistes qui ne comprennent pas bien notre golf. Et quand je leur prends les photos aériennes du golfe de Mandelieu, du golfe de Biarritz, du golfe de Dinard, je suis bien obligé de leur faire comprendre que le golf est même un frein contre l'urbanisation excessive. Oui, et qu'on ne me raconte pas aujourd'hui que s'il n'y avait pas eu un golf au milieu de Biarritz, eh bien, on aurait gardé cet espace en espace vert. Ce n'est pas vrai. Il n'y a que des constructions tout autour qui sont à la limite du golf. Donc, le golf peut véritablement être un poumon vert, ça c'est certain. Et d'ailleurs, on va très rapidement le prouver parce que j'espère arriver à travers le regroupement de tous les golfs veut montrer qu'on est capteur de CO2. Et qui dit capteur de CO2 dit aussi réserve de CO2. Et à ce titre-là, il y a des compagnies qui, elles, dépensent beaucoup de CO2 et qui ont besoin d'en acheter. Eh bien, peut-être que les golfs pourront se mettre à profit le fait que nous sommes, nous, capteurs de CO2 et on pourrait revendre nos réserves à des compagnies qui, elles, sont obligées d'en consommer. Ouais. Exactement. Merci Pascal Grison, merci d'être passé, d'avoir pris un peu de temps pour nous. Vous êtes très occupé, très actif. C'est pas vrai, là, je suis pas occupé, je vais voir les joueuses françaises et je suis en vacances. Merci d'être venu sur notre plateau. Sandrine, on va vous proposer de regarder les belles images du deuxième tour. Il y a des coups magnifiques, regardez le résumé. Pendant que l'on vous montre ces jolis coups, les infos à retenir sur les joueuses et sur cette deuxième journée qui est passée, bien entendu, 77 joueuses ont fait le cut, un cut qui était à plus 1, dont 4 françaises sur 5, ça c'est historique, et il y avait également 3 joueuses amateurs. 61, c'est la carte du jour. Alors c'est pas n'importe quoi, c'est quand même le record du parcours égalé, ça a déjà été fait en 2014, mais aussi c'est le record du score le plus bas en majeur, filles et garçons confondus. On est dans le 61 quand même, c'est Jeong Lee Six qui l'a réalisé avec 10 birdies. 25 ans, cette Coréenne, on la connaît bien, hein, c'est une joueuse expérimentée. Et elle a écrit l'histoire de ce golf mondial ici sur ce parcours d'Evian avec ce moins 10 pour la journée. Et Sandrine, quand même, une mention spéciale pour nos Françaises. On l'a déjà dit, mais moi, ça me fait plaisir de le répéter. 4 Françaises qui ont été formidables. Elles se sont battues. Voilà, je pense entre autres à Pauline qui nous a rentré un putt sur le 15 pour batailler. Et 4 Françaises sur 5 qui passent le cut. Ben, voilà, nous, on est fiers. Oui, c'est vrai, les choses avancent avec des bonnes fortunes et des moins bonnes fortunes, mais écoutez, ça avance. Le tournoi n'est pas fini, il reste encore un jour maintenant, puisqu'on est samedi soir, mais en tout cas, des signes très encourageants. Voilà, pour ces belles images, on vous montrera évidemment demain quelques jolies images de la journée du troisième tour. Voilà, le putt va rentrer, voilà, et on va revenir en plateau pour accueillir notre nouvel invité, Antoine Portman. Antoine, bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous avez la mine réjouie des hommes qui sont heureux. Vous êtes directeur général de Danone Eau France, une lourde responsabilité là aussi. Êtes-vous golfeur d'abord ? Est-ce que vous êtes avec nous en tant que golfeur ? Alors malheureusement, je ne suis pas golfeur. Ah, on a trouvé un non-golfeur. Mais je suis profondément attaché à cette région et ma mine réjouie aussi liée au fait qu'on est
tout proche des Alpes françaises, tout proche de cette ville d'Évian qui nous tient tant à cœur. Alors, en tant que directeur général de Danone Hauts-de-France, j'imagine que vous avez une idée assez précise du rayonnement de ce tournoi, du nom d'Évian à travers le monde, évidemment. On en parlait avec Laurent Sacchi l'autre jour, mais là, effectivement, quand on est à Tokyo, quand on est à New York, quand on est à Johannesburg, Évian est connu partout. Absolument, et c'est une histoire qui a commencé il y a plus de 40 ans maintenant. Puisque la marque Évian a été exportée dans plus de 140 pays dans le monde. Vous l'avez dit, New York, Tokyo, Shanghai, ce qui contribue au rayonnement de cette belle marque. J'ai eu moi-même la chance de travailler pour Évian aux États-Unis et je peux vous dire que la marque fait partie de la culture locale et de l'histoire locale dans les boissons. Alors justement, en France, c'est un produit de grande consommation. On voit Évian dans tous les supermarchés, toutes les familles ont de l'Évian. Aux États-Unis, vous l'avez dit, c'est un produit presque de luxe. En Asie, pour Évian aussi. Après, ça devient, c'est un produit de première nécessité. Pourquoi le golf d'abord et pourquoi se servir du sport pour promouvoir les valeurs d'Évian? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de similitudes entre le golf et Évian dans la beauté du geste, dans l'esthétique, dans cette pureté qui est aussi la pureté de l'eau minérale d'Évian, et puis une certaine image reconnue à travers le monde. Donc depuis toujours, Évian s'est associé au sport, pas uniquement au golf, au tennis. Par exemple, on a la chance d'être partenaire de l'US Open aux États-Unis depuis de nombreuses années. Voilà, donc beaucoup de raisons qui nous rassemblent autour de cet événement. Alors, une question qui va peut-être vous paraître totalement naïve, mais moi, je me la suis posée, donc je vous la pose. Est-ce que toute la fabrication de l'eau d'Évian est faite à Évian, finalement? Alors, absolument, et je peux même vous dire que ça se passe à quelques kilomètres d'ici, dans les Alpes françaises. La caractéristique d'une eau minérale naturelle, c'est qu'elle vient d'un lieu unique. Et ce lieu unique, en l'occurrence, les Alpes françaises, cette filtration pendant 15 ans à travers les roches glaciaires, c'est ça qui en fait la beauté, le miracle de l'eau minérale d'Évian. Donc oui, tout vient d'ici. Très bien, j'ai la réponse à ma question. Je savais. On dit que l'eau est l'or de demain. On dit ça depuis très très longtemps. Est-ce que justement Danone a une réflexion par rapport à ce sujet d'avenir? Alors moi je pense que c'est déjà l'or d'aujourd'hui, puisque on le voit partout dans le monde, les consommateurs aspirent à faire de plus en plus attention à la santé. Et l'hydratation, ce qu'on boit au quotidien, a une importance fondamentale dans la santé. Donc c'est déjà le cas aujourd'hui, et vous le voyez, partout dans le monde, l'eau, la consommation d'eau grandit chaque année. Ensuite, on pense que, évidemment, c'est une ressource rare, une ressource à protéger. C'est exactement la démarche qui nous a animés dans le territoire d'Évian, puisque depuis plus de 20 ans maintenant, nous protégeons tout l'espace d'Évian pour justement garantir la pureté originelle de cette eau. Monsieur Portman, moi j'ai une question qui pique un peu, qui pique plus peut-être que de la boîte de vin rouge. Qu'est-ce qu'on fait du plastique? Ça, devant vous, c'est du plastique, ici sur la table. Donc comment on fait? Alors ici, vous cassez la tête avec vos équipes. Ici sur la table, c'est d'abord de l'Évian. Oui, c'est d'abord une eau minérale naturelle avec des propriétés exceptionnelles. Mais je peux vous dire que cette question, mes quatre enfants me la posent aussi tous les soirs quand je rentre. Et donc évidemment, ça, je pense que Évian a toujours été novateur et moteur de réinvention. Et la bouteille que vous avez sur la table, c'est une bonne image de notre capacité à nous réinventer le plastique. Elle est bien en plastique. En l'occurrence, elle n'est pas en plastique, elle est en plastique recyclé. Ah. Et donc ça veut dire que pour faire cette bouteille, on a utilisé d'autres bouteilles. Et cette bouteille est elle-même recyclable et donc redeviendra une bouteille. Donc quelque part, on s'engage, et c'est notre engagement à horizon 2025, d'être 100% en plastique recyclé. Plus aucune matière vierge utilisée pour nos bouteilles. On utilisera le plastique qui a été utilisé quelques années avant, et donc c'est un peu un cercle fermé. Exactement, c'est un cercle fermé, et puis on a aussi d'autres projets importants de réduction de la matière plastique pour offrir l'eau d'Évian. Et j'en profite du coup, puisque à côté de vous, vous avez... Oui, on nous installe une belle fontaine, Sandrine. Je ne sais pas comment elle est arrivée là. Par machine, certainement. Mais en tout cas, vous avez ici un bel exemple d'utilisation de moins en moins de plastique, puisque vous le voyez, cette fontaine donc, qui contient de l'eau d'Évian est faite avec un plastique extrêmement fin. Dans cette bouteille, vous avez 5 litres d'eau d'Évian, mais qui utilise 60% de plastique en moins
par rapport à une bouteille classique. Traditionnelle, oui. Par rapport à une bouteille traditionnelle. Donc, vous le voyez, si vous prenez le verre, je vais même vous offrir de l'eau des Alpes. Vous pouvez m'offrir voilà. un verre d'eau. Je peux effectivement faire ça. Allez, on y va. Voilà, et vous voyez... J'en bois beaucoup, hein. Attention. Hein. C'est bon, merci. Voilà. Et donc, vous voyez, au fur et à mesure rétractable, et c'est du PET recyclé, avec 60% de plastique en moins. Donc, voilà comment aussi on réinvente notre façon d'apporter l'eau des viandes. Très bien. J'ai juste une dernière question, parce que ça intéresse toujours tout le monde. Combien de bouteilles, jour, quittent l'usine d'Amphion? Alors, je vais dire 1 million. Je me souviens jamais du chiffre. Non, c'est plus, c'est moins. Je peux vous dire qu'au global d'une année, ensuite ça dépend évidemment de différents facteurs, mais on se parle de quasiment plus de 2 milliards de bouteilles qui quittent l'usine d'Evian chaque année. Et donc, si on fait la division sur nombre de jours. Ça fait un nombre significatif. Et évidemment, avec beaucoup de fierté, hein, puisque notre usine d'Evian, c'est 1200 personnes qui travaillent au quotidien avec passion pour être garant de la qualité exceptionnelle de l'eau d'Evian. Merci Antoine Portman. Merci d'avoir pris du temps pour être avec nous. Vous expliquer des choses. Bah, oui, c'est vrai qu'on s'interrogeait. Et donc, c'était l'occasion de vous recevoir. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Alors, vous le savez, pendant ce majeur, eh bien, sur cet événement, il n'est pas rare de croiser des champions, de grands champions. Certains sont encore en activité, d'autres le sont peut-être moins. On a croisé un garçon qu'on aime beaucoup, qui est voisin, hein, qui est de Lausanne. Et qui est blessé. Et qui est blessé, Stan Wawrinka. Et Stan a été, vous le savez certainement, il a soulevé des trophées, lui. US Open, joueur de Coupe Davis, il a gagné, je crois, 16 fois sur la TP Tour. Et c'est notre stagiaire Hugo qui est allé le rencontrer. Écoutez. Bonjour Stan. Bonjour. Bienvenue à Evian. Merci beaucoup. T'es arrivé hier soir, comment ça se passe pour toi jusqu'à maintenant? Ça se passe très bien, c'est toujours un plaisir de venir ici, un accueil chaleureux, un endroit magnifique. Et t'es ambassadeur Evian depuis 2014, c'est ça? C'est ça, oui. Et c'est la première fois que tu viens sur le tournoi? Non, c'est la troisième fois. Je suis venu en 2017 pour l'inauguration. Je suis venu aussi en 2019 pour les 25 ans. Et là, cette année de nouveau. Et c'est vrai que j'ai chaque fois l'occasion de venir sur les trois années parce que j'ai été blessé aussi avec mon tennis. C'est jamais facile parce que notre calendrier est très rempli. Mais quand j'ai le temps de pouvoir venir ici, c'est Tu joues au golf? Pas bien. Pas bien, tu pas t'aimes suivre plutôt? J'aime regarder, ouais. Ça marche. Et t'es joueur de tennis avec Evian, tu viens sur le tournoi de golf, t'es un peu sur tous les terrains en fait avec Evian. Non, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance d'être en partenariat avec Evian. C'est vraiment un partenariat que j'apprécie énormément. Ils ont toujours été là, ils m'ont toujours soutenu, même dans des périodes difficiles justement. C'est ma deuxième opération, ils sont là, on fait d'autres choses justement, on essaye de vraiment approfondir. Voilà, c'est devenu un peu une famille, notre partenariat, et j'espère pour encore pas mal d'années. Top, bah j'espère que tu vas apprécier ton week-end ici à Evian. Et puis, bonne fin de semaine à toi. Bah, merci beaucoup à toi aussi. Voilà, un des nombreux sportifs qui viennent régulièrement à Evian. On a des footballeurs, des tennismen, des dames aussi, évidemment. Cet animal, comme on l'appelait. Voilà, comme on l'appelle toujours d'ailleurs. Là, on a un autre spécimen, mesdames et messieurs. Je ne sais pas si Max va nous le montrer. Romain Béchu est avec nous. Salut Romain. Bonjour. Voilà, là aussi. Ah non, mais Romain Béchu oui. à Evian pour voir du golf féminin. Oui. On aura ça sent tout le tac. Vu. Ça sent le tac. Tout vu. Évidemment. Tu viens voir du vrai golf. Évidemment. Bien sûr. Bon, l'impression alors, tu es un joueur professionnel, oui. pour celles et ceux qui oui. ne te connaîtraient pas. Oui. Tu es un peu surfeur, un peu jongleur, un peu, enfin bref. Toute voilà. sa réputation là. Oui, voilà, on avait fait une belle émission ensemble, on était pas tous les deux, c'était vraiment... pendant le confinement. Ouais. Et tu faisais beaucoup de jongles chez toi dans ton appartement, ouais. c'était la période où on était tous enfermés. Et d'ailleurs, je souhaite remercier toutes les équipes des médias et tous ceux qui nous ont permis de faire cet événement-là pour la Fondation de France pendant le confinement. C'était vraiment top quoi. Bon, après, je me suis traîné une tendinite quand même pendant 6 mois. Les gens ne savent pas, mais je me suis fait mal au bras. Mais c'était génial, franchement. C'était bon, alors tes impressions, comme le disait Sandrine, tu es là et tu regardes du golf féminin. Ouais. Bon, c'est l'élite mondiale, donc ouais. ça joue très, très bien au golf. Ouais. Tu as été impressionné par le moins 10 d'hier, le 61 d'hier? Moi, je suis super impressionné, en fait, du niveau de jeu. J'ai suivi un peu les parties, je suis allé sur le parcours. Les greens sont secs. Moi, je les trouvais vraiment pas si faciles que ça. Les roughs sont très, très épais. Mine de rien. Le setup du parcours, elle joue quand même mine de rien, même si elle joue pas tout du fond, elles ont quand même pas mal de fois des longues cannes à jouer, notamment sur les par 3 et tout ça, le 5, ils ont une longue canne à jouer. Et les scores étaient incroyables, moins 15 après deux tours. Enfin, c'est vraiment impressionné. Aspect donc.
Ouais. Il nous a pas dit son meilleur sport à Evian. Il nous a pas dit. Alors, non, je dirais pas. Je dirais pas. Ah, il fait sa chuchote. Non, mais j'ai eu bien joué. Et bon, sur les quelques événements masculins qu'il y a pu y avoir ici, ouais, regardez. J'ai un bon souvenir. Tu joues moins, tu continues ouais. tes jonglages. Et par contre, tu as un autre projet que tu as mis en place, notamment à Evian, oui. toute l'année. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu oui. plus? D'ailleurs, je souhaite remercier Evian de nous accueillir ici, Win in One. Donc en fait, c'est un concours de 3 en 1 permanent, filmé par une caméra de vidéosurveillance. Donc en fait, c'est juste pour que les joueurs amateurs, ils aient la sensation de vivre ce que vivent les pros, les professionnels du Tour, européens, PGA Tour et le PGA Tour. Quand vous voyez, elles sont au départ, là on est au trou numéro 16, elles jouent pour le 3 en 1 et gagner une BMW. Ben, en fait, c'est la même sensation que les amateurs, ils ont. Et nous, on voulait reproduire un peu cette émotion-là, que les gens se sentent un peu ce petit stress de pouvoir faire quelque chose d'exceptionnel sur un coup de golf. Et d'en être récompensé. Donc voilà, les gens font 3 en 1, on a la caméra, on vérifie les images. Si la personne a son droit de jeu, Win in One, ce jour-là, elle part pour la finale à Hawaï. C'est quoi cette récompense? C'est quoi cette finale? Voilà. Alors, la finale à Hawaï, c'est tous les gagnants qui ont fait le 3 en 1 au cours de l'année sont invités pour la finale à Hawaï, donc tout invité. Et sur un trou, à un moment, sur un par 3, ils peuvent avoir la chance de gagner $1 million. Donc c'est un truc, c'est comme aux États-Unis en fait, on a eu un projet ambitieux de vouloir, moi qui ai un petit peu voyagé, et notamment des pays comme les États-Unis, Las Vegas, des endroits comme ça où tu arrives, où il y a vraiment des grosses sommes à jouer comme ça, on s'est dit mais pourquoi pas nous, pourquoi on le ferait pas en fait. Et donc ces personnes-là en 2 coups de golf peuvent gagner cette somme-là qui est assez incroyable. Alors je réfléchissais pendant que tu parlais parce que Hawaï, bon ils surfent, hein. Donc c'est pas que aussi le hasard de la vie. Hein. Avec la planche. Oui. Oui, non, voilà, mais je ne l'ai pas fait ça. Pour moi. Hein, ouais. Mais oui. Donc, en fait, tu es en train de nous dire que tous les par 3 que les gens voient à la télé cette semaine, à partir de lundi, ils peuvent venir. Il y a une caméra ici, sur tous les par 3. Ils peuvent venir ici, tenter leur chance. Et s'ils font un trou en 1, se retrouver à Hawaï. Voilà. Alors, tous les par 3 où ils vont avoir une caméra partout en France, aujourd'hui, on est sur une vingtaine de golf, donc c'est déjà pas mal. Là, on est au trou numéro 5. Bon, c'est quand même pas le trou le plus facile, mais aujourd'hui, on a eu quand même 7 trous en 1. Vous voyez, donc, c'était ma question. Combien de trous en 1 il y a 7 personnes à ce jour personnes qui partent déjà à Hawaï. Voilà. D'accord. Ouais. D'accord. Donc, c'est vraiment un beau cadeau et on a vraiment à diète. Bon, je sais que là, avec tout ce... tous les problèmes qu'on a avec le Covid et tout, c'est quand même voyager aujourd'hui, c'est quelque chose de compliqué, mais on a vraiment à cœur de pouvoir faire cette finale cette année. Quoi. On vient de voir des images là où tu es à Paris, devant la Tour Eiffel, où tu fais du freestyle. Moi, j'ai besoin d'une réponse à une question qu'on m'a souvent posée. Est-ce que le freestyle dans le golf, ça change un peu le regard du public? Je me souviens, on avait eu une conversation il y a quelques temps où tu faisais un peu l'analogie avec le tennis. Oui. Le tennis des années 80 avec notamment Yannick Noah, Roland Garros, il y a eu un coup de booster. Est-ce que toi, tu penses que ce que tu apportes, ce freestyle, c'est plus fun pour les jeunes, c'est attractif. Comment tu vois ça, toi? En tout cas, moi, j'essaie juste d'amener un message positif et une évolution de notre sport à ma petite échelle. Moi, je me souviens très bien, quand j'étais enfant, j'étais passionné de tennis et j'ai vu André Agassi arriver avec son t-shirt et sa coupe de cheveux incroyable. Bon, c'est André Agassi, c'était magnifique, mais j'ai cet engouement que les gens ont pu avoir avec ces choses un petit peu originales, ce style original et ça m'a beaucoup passionné dès le départ. Et après, je me suis, on va dire que tout ce qui est jonglage et trick, c'est un truc qui est venu assez naturellement et j'ai été passionné assez vite et donc j'ai eu l'occasion de pouvoir le développer un peu plus et à travers ce moyen-là, de pouvoir essayer de démocratiser le golf et d'en rendre le golf au final le plus jeune possible et faire venir de plus en plus de la jeune génération au golf. Quoi. C'est vraiment ça l'objectif aussi. Vous savez faire ça, vous, Sandrine, jongler comme une ça. Une truffe, je suis nulle, mais alors nulle. Mais je l'avoue. Mais je ne peux pas vous citer, il y a des gens, bon, il y en a qui jonglent incroyable. Moi, celui qui m'a vraiment impressionné, John Rahm, j'avais fait pour l'Open de France, j'avais fait une reprise de volée au trou numéro 16. Et donc, bon, il y en a beaucoup. Poulter a pété un câble. Il a tapé 12 fois, 15 fois de suite le coup. Il s'est vraiment énervé et je sentis qu'il ne m'a même pas dit au revoir. Non, ouais, il était vexé. Mais il était un peu énervé. Par contre, John Rahm, j'avais jamais vu un joueur pro
l'apprendre aussi bien, parce que moi j'en ai fait beaucoup, donc j'ai l'habitude de le faire, mais eux l'ont fait beaucoup moins. Et donc, John Rahm, impressionnant, et Rory jongle très bien aussi. Voilà, et Tiger, évidemment. Et Tiger, évidemment. Qui est la raison pour laquelle j'ai fait des jongles au début. Il ne faut pas l'oublier quand même. Merci Romain, merci de la visite. Bon, vous restez, on le garde jusqu'à dimanche. Hein. S'ils veulent bien, me garder. Oui, très bien. Merci d'être avec nous. On va tout de suite retrouver Alexandra, parce qu'Alexandra a rencontré l'une des joueuses thaïlandaises du champ. Vous savez qu'il y a de plus en plus de thaïlandaises. Elles sont excellentes. Elle a fini deuxième après deux tours. Elle a joué deux cartes de 65. Je parle de mademoiselle Ananarukam. Eh bien, écoutez son débriefing et puis cette façon très zen de dire « je me sens bien ici ». C'est au micro d'Alexandra. 12 under after round two and the only bogey free round yesterday. You seem to have this golf course figured out. How much focus has it taken? I really played some good golf the first 2 days. I hit lots of good shots and gave myself a lot of opportunities out there, and it worked out pretty good the first 2 days. And a lot of the players saying you need to have experience here to do well, just knowing all the uneven lies and the green complexes. You seem to prove that wrong. How did you adapt so quickly? Not really. I still miss some putts, but I think I just really get a hang of it, and hopefully we'll improve the next 2 days. And you seem to have such a great demeanor on the golf course. How do you stay in the moment? I think they will. It's just beautiful out here, and it's definitely just, like I said, take my focus out a little bit, and just, you know, sometimes I was really intense out there, just need to back up and just try to relax. Enjoy it. Yes. Lots to enjoy here. Yeah. Thank you and good luck the rest of the weekend. Thank you. Padjari Ananarukam, c'est une jeune joueuse thaïlandaise, elle a 22 ans, elle est bien sûr sur le circuit américain, le LPGA Tour, et c'est un vrai talent à surveiller, on va en reparler. J'ai une question, Christian. Allons-y. Pourquoi des joueuses thaïlandaises, comment elles arrivent là? On a des joueurs aussi sur le PGA Tour qu'on voit c'est à la vrai, télé. C'est vrai. Moi, je connais le golf touristique en Thaïlande. Elles sortent d'où? Parce que justement, on en a parlé cet après-midi à la télé et je n'avais pas la réponse et je suis sûre que vous l'avez. Ouais, ce golf thaïlandais, en fait, il a été mis un peu comme l'a été fait le golf coréen il y a quelques années. Et ce sont des joueurs gallois, britanniques d'une manière générale, beaucoup d'anglais d'ailleurs, qui sont en Thaïlande et forment depuis déjà plus de 10 ans, voire 12 ans maintenant, des jeunes joueurs et joueuses. Et donc, on les voit émerger maintenant. Elles rentrent par les cartes, elles rentrent par le circuit asiatique, elles vont aux États-Unis. Beaucoup sont sur le 6 mètres à tour, la deuxième division américaine, et donc on se retrouve là avec énormément de joueuses thaïlandaises et très très bonnes depuis quelques temps. C'est la question du jour. Voilà, allez, à demain. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour la dernière et la conclusion de ce majeur. Faites attention à vous, portez-vous bien.